Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là sous la lettre au papier jaunissant où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre. N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir. Ouvrez. Lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. Tout haut? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Et je meurs. Jamais plus, jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était. Comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les frémissantes fêtes, ne baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais crier, comme vous la lisez cette lettre, et je crie, adieu. Vous la lisez, ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour, d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis, et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit.